Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'aimerais vous montrer comment régler le problème du réseau sur un téléphone Motorola, que ce soit des problèmes avec les appels, les textos, Internet, Bluetooth, le Wi-Fi. Donc la première des choses à faire avant d'aller dans les paramètres pour partager des options, c'est d'enlever la carte SIM de votre téléphone, remettez la carte SIM et redémarrer votre téléphone, juste l'éteindre et l'allumer tout de suite après. Si le problème est réglé, tant mieux, sinon on va aller dans les paramètres de votre téléphone. Et dans les paramètres, vous avez réseau et Internet, on va l'ouvrir. Donc il y a une option mode avion. Cette option, il faut juste l'activer pendant 2 petites secondes et le désactiver. Ça règle le problème du réseau. Donc la prochaine étape, on va aller dans réseau mobile. Et dans réseau mobile, on va travailler avec paramètres avancés. Vous avez le type de réseau préféré. Et vous avez sélectionner automatiquement le réseau et non de point d'accès. Donc on va travailler avec les trois. La première, quand vous appuyez sur cette option, vous allez voir 4G, LTE, 3G, 2G. Donc je vais aller avec la dernière pour mon téléphone. Donc c'est ça que j'ai avec mon fournisseur actuel. Et la deuxième option, on va juste fermer automatique. Quand on va fermer automatique, votre téléphone va commencer à chercher automatiquement les réseaux qui sont disponibles dans votre région. Une fois que vous avez la liste, il faut tout simplement sélectionner votre compagnie. Donc très bien, donc j'ai 4 compagnies ici, donc je vais aller avec ma compagnie, je sélectionne et voilà, mon téléphone est maintenant enregistré sur le réseau. Le problème devrait être réglé. La troisième option, c'est le nom de point d'accès. Nom de point d'accès, ça devrait afficher le nom de votre fournisseur de service. Si vous ne voyez pas le nom de votre compagnie, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, vous n'aurez jamais accès à Internet sur votre téléphone. Donc, si vous n'avez pas accès à Internet, on va aller dans les 3 points. Rétablir paramètres par défaut. Voilà. Donc normalement, ça devrait régler le problème. Si le problème n'est pas réglé, on va appuyer ici et on va remplir toutes ces informations. Modifier le point d'accès. Donc il y a une autre option que j'aimerais partager pour régler ce problème de réseau. On va aller dans les paramètres. Et dans paramètres, on va descendre. On va aller dans système. Et dans système, on va appuyer sur avancer. Et dans avancer, vous avez option de réinitialisation. Ne touchez rien sur cette section, c'est très important. On va juste réinitialiser les paramètres du Wi-Fi, les données mobiles et le Bluetooth, donc le réseau. On va appuyer, ne touchez pas les autres options, ça va effacer complètement votre téléphone. Donc réinitialiser le Wi-Fi, les données mobiles et le Bluetooth, on va appuyer dessus. Tous les paramètres réseau seront réinitialisés, y compris les suivants. Wi-Fi, données mobiles, Bluetooth. On va y aller. Voilà. Réinitialisation du réseau. Donc ça va régler tous les problèmes. Les réseaux sont maintenant réinitialisés. N'oubliez pas de redémarrer votre téléphone. C'est très important. J'insiste toujours. Redémarrer votre téléphone. Juste l'éteindre et l'allumer tout de suite après. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. Si vous avez des questions, des commentaires, passez une bonne journée. Au revoir.